30 ans après l'indépendance, la valise. Comme des milliers d'autres, j'ai fait ma valise et je me suis retrouvé en France pour refaire ma vie à zéro et repartir sur des bases plus solides. Un jour, j'étais aux acédiques comme tous les jours. Et qui c'est que je vois devant moi, incroyable mais vrai, qui était là face à moi, devinez, Jeannette. Jeannette, ma petite fourmi rouge, c'est toi? Elle m'avait pas reconnu. Mohamed, Tizi Ouzou, les fourmis rouges, Monsieur Zaytoun. Mohamed, oh c'est pas vrai, c'est toi. Et elle a fondu en larmes. On est comme ça nous, hein. Dès que l'occasion se présente, on lâche les rivières. Mohamed, oh c'est la plus belle surprise de ma vie. Oh c'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi qui rêvais tant, depuis toujours, revoir mes amis d'enfance avant de mourir. Oh sais-tu Mohamed, je vais te faire un aveu, une confidence. Je ne me suis jamais sentie aussi algérienne que depuis que je suis en France. Et nous, Jeannette, c'est le contraire. Alors, raconte, comment va le pays? Comment va Tizi? Ça va très bien. Il ne manque que vous, là-bas. Mais il paraît que ça a beaucoup changé maintenant. On dit qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas maintenant. Non, ça va. Non, alhamdoulilah, ça va très bien. Ça va. Non, tu sais, les gens épanouis, ça va. Ça, c'est la classe, ça va bien, bien, ça va. On a tout, on a... Enfin, on n'a pas le détail, mais on a le général. Et puis, Jeannette, il y a le soleil de là-bas, le plus grand soleil du monde. Qui mieux que toi le connaît, hein? Qu'est-ce qu'il y a de mieux en France? Qui y a-t-il de plus en France? Allez, prenons au hasard. Les 35 heures. Les 35 heures chez nous en Algérie, Jeannette, on les fait dans l'année, nous. Sauf quand on fait des heures supplémentaires en allant faire la queue devant le consulat de France pour avoir les visas. Justement, Mohamed, il paraît que tout le monde veut quitter le pays et veut venir s'installer en France. Mais c'est pour vous voir, Jeannette. Pour vous rendre visite. C'est la famille maintenant, quand même, Jeannette. On va pas vous laisser traîner tout seul dans la nature de la France, tout seul comme ça. Quand même, Jeannette, qu'est-ce que vous allez penser de nous si on venait pas vous voir, hein? Nous, on n'est pas des ingrats, Jeannette. Quand on aime, on aime. On vous aime sans pitié. Jusqu'à ce que vous lâchiez le morceau. Tu sais, Jeannette, maintenant, on va tous venir en France. On va tous s'installer ici. Comme ça, on va plus vous manquer. On va venir se faire coloniser à domicile. Ça n'a pas marché la première fois. On vous donne une seconde chance, hein? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Jeannette? Ça va être formidable, non? Imagine. On va vous doper à l'affection, Yazidek. Imagine. 30 millions d'amis. Hein? Eh ben oui. Ben oui. Et bien sûr, Jeannette. Alors, mais dis-moi, Jeannette, toi, ça fait plus de 30 ans que tu es venue et jamais tu n'es repartie là-bas, même pas une seule fois, même pas en pèlerinage. Mais c'est ton pays, là-bas, je veux dire, c'est le pays de tes ancêtres. Tu es né là-bas, non? Justement, Mohamed, à ce propos, tu crois vraiment qu'on peut y retourner là-bas, nous? Évidemment. Mais bien sûr que vous pouvez y retourner, Jeannette. Enfin, pas tout de suite, hein. Et il vaut mieux attendre encore un peu. Après les élections. Quelles élections? Je ne sais pas. Après les élections. Pas celles-là, les autres. De toute façon, c'est simple, Jeannette. Hein. Vous attendez d'abord qu'on retourne nous, là-bas. Et ce jour-là, vous êtes sûr, vous pouvez y retourner vous aussi. Et tu verras, Jeannette, tu verras quand tu vas y aller, de tes propres yeux, tu verras comment que le pays s'est développé.
On produit de tout maintenant là-bas. On produit de tout, on a tout. Mais surtout, surtout, surtout maintenant là-bas, Jeannette, on produit beaucoup, 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 beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup d'espoir.